amener justement. Non, ben moi, je pense. Avoir une présence significative en tant que Première Nation au Canada. Oui, bien, premièrement, je pense que ce qui est important, c'est que, bon, avec toute l'histoire que les Premières Nations ont connue depuis le dernier siècle, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup de pression sur la guérison des Premières Nations, sur les malheurs qui ont été contribués, qui ont contribué à notre histoire. Tandis que moi, je dis oui, je fais partie des victimes qui ont été au point de se nommer, mais en même temps, il n'y a pas juste nous à guérir, il y a la société adjacente aussi. Et eux, il faut qu'ils s'assurent qu'ils connaissent leur histoire et qu'ils s'assurent que dans les générations à venir, ça sera plus. Donc pour moi, c'est bien important. Mais est-ce qu'on vous a donné aujourd'hui là, un rôle, une mission pour le G7? Est-ce que vous sortez d'ici investi de quelque chose? Non, ben c'est par invitation. On est ici. C'est les gens. C'est M. Peter Brown. Bien. Qui nous a invités ici pour cette première rencontre. C'est vraiment une rencontre de consultation. Consultation sur quoi? Sur les 5 thèmes qui vont être présentés au G7 et de voir de quelle façon qu'on peut contribuer peut-être à amener des messages concernant ces thèmes. Et dans ces 5 thèmes-là, vous voyez quoi, là, ne serait-ce que sur l'emploi, par exemple? Bien, première des choses, si on veut parler du développement économique, développement de l'emploi, toutes nos jeunes, qui représente la grande majorité de notre population. L'emploi est un enjeu important, mais pour avoir de l'emploi, il y a aussi une reconnaissance de nos droits ancestraux, le titre aborigène. Donc, tout ça va ensemble. Donc, avant qu'on puisse parler de ça, il y a certains éléments d'histoire qui vont être émis d'avant. Une dernière question. Est-ce qu'on pourrait vous entendre, M. Dufour, M. Lassigny? C'est quoi vos attentes par rapport au G7 pour la présence des Premières Nations? Ça aille au-delà du symbolisme. Au-delà du symbolisme. Regardez, on vient de rencontrer le Sherpa. C'est extrêmement important, lui, son mandat, et on le remercie, M. Prime, de sa disponibilité. Pourquoi? Parce que le Sherpa est investi d'un rôle qui lui a été attribué par le premier ministre du Canada. Le premier ministre du Canada, il n'y a pas longtemps, il était aux Nations Unies, ému, et il faisait le meilleur coup de part aussi, puis il disait que le Canada a échoué en matière des Premières Nations, en matière autochtone, puis c'était vrai aussi. Alors, la place des Premières Nations à l'intérieur du G7, d'abord, il y a deux nations, la nation Iroquois-Blanc et la nation Innu, qui vont travailler en collaboration. C'est notre pays, c'est notre territoire. Comme quoi, d'abord, nos femmes, nos jeunes, le développement économique, le développement social, l'environnement, des thèmes qui nous touchent directement, où on peut être capable d'intervenir, pas juste comme ça, puis après ça, c'est terminé. Là. Il faut qu'il y ait, puis ça, on en a discuté, puis on a voulu aller sur le fond. Qu'est-ce qui va rester? Parce que c'est pas juste une vitrine. Parce que si c'est une vitrine, on n'en a pas vraiment besoin, des vitrines de cette façon-là. T'sais. On veut adresser les questions du racisme, les questions de la discrimination, les questions de la victimisation, les questions du développement économique, de notre place dans le Canada. On veut que le monde, le G7 aussi, reconnaisse notre économie traditionnelle, reconnaisse notre force, nos valeurs. On veut que nos femmes soient considérées, pas juste comme des victimes aussi. Et on veut que dans le fond, un peu comme le chef Montréal, on veut que les gens qui vont venir ici apprennent à mieux nous connaître, parce qu'on s'aperçoit que même ici au Canada, même au Québec, dans ce que des fois on voudrait se dire que les gens, il y a une bonne collaboration, mais on s'aperçoit rapidement que la connaissance des uns et des autres, elle est encore déficiente. Puis c'est peut-être une vitrine extraordinaire pour nous autres de le faire connaître. Vous allez prendre comment à ce moment-là? Bien là, c'est la possibilité d'avoir non seulement une tribune, mais d'avoir toute la place nécessaire. Cette place-là, c'est quoi? Bien, c'est ce qu'on a discuté cet après-midi. Qu'est-ce que vous avez eu comme réponse? La réponse est bonne. Elle est bonne. La réponse oui, ça veut dire très quoi? Positive. Bien, ça veut dire qu'on va continuer de discuter. On continue de discuter demain à Wendake, jeudi à Ottawa. Après ça, il y a des rencontres des chercheurs qui nous ont invités aussi au mois de mai. Alors, on va mettre en place un mécanisme. Soyez sûr de ça. Vous nous connaissez. Vous savez qu'on ne fait pas juste du lèche-vitrine ou se montrer dans les vitrines. On va être très sérieux puis on va vouloir démontrer à nos populations que c'est extrêmement important, cette possibilité-là, d'engager un discours et un dialogue
Les questions environnementales ne touchent pas juste les Inuits, touchent les Premières Nations aussi. Et touchent bien sûr les Québécois, les Canadiens en général, parce qu'on est tous interrelés dans un sens. Alors, n'ayons pas peur. Ça nous prenait cette rencontre-là. Moi, je pars d'ici, puis je vais faire rapport à mon conseil. Et puis, je pars d'ici très, très satisfait de ce qu'on a entendu. Et puis, tant mieux pour ça, parce que si ça avait été du tout cuit, là, mettons que le Sherpa est arrivé, puis nous aurait regardé, on s'attend à ça, ça, ça de vous autres, là, j'aurais pas été trop content. J'aimerais tant mieux qu'on le construise ensemble, le scénario, puis après ça, mais qu'on tienne parole. Monsieur Vigneault, est-ce qu'on peut vous poser au moins une question? Certainement. Que vous que ça aille, vous êtes diplomate, là. Oui, hein? De temps en temps. Oui, oui. Et on sait c'est quoi la diplomatie. Aller au-delà, justement, de l'image, de la consultation, de dire on vous implique concrètement au sein du G7, ça, vous voyez quoi? Le premier ministre m'a donné un mandat pour être transparent, d'avoir des consultations partout au Canada. J'étais ici à l'écoute avec les chefs des peuples autochtones de cette région de Charlevoix. Et nous avons passé une heure et demie ensemble en discutant tous les thèmes, les cinq thèmes que le premier ministre a annoncé le 14 décembre de l'année passée. Et c'était vraiment une discussion excellente. Ce n'est pas seulement un exercice de consultation, mais un processus. Et comme j'ai dit à mes homologues, Sherpa, nous sommes dans un processus de réconciliation historique dans notre pays. Et c'est une partie de ça. Merci. Cathy? Oui? Bon voyage à vous.